Bonjour à tous, nous allons vous présenter Titan Noir, un livre suite à un projet de littérature proposé par notre lycée. Titan Noir a été écrit par Florence Aubouy. Florence Aubouy est une autrice née le 3 décembre 1968 à Besançon en France. Elle a une licence de lettres modernes, de sciences du langage et une licence de géographie. Elle a obtenu de nombreux prix comme les Embouquineurs en 2020, Club Lecture Ado Book Award en 2019 et le prix Maya en 2020, Titan Noir. Le livre parle du quotidien des orques en captivité et parle aussi du point de vue des soigneurs. Le livre est partagé entre deux points de vue. Celui de Elfie, une soigneuse animalière. Elfie est une jeune adulte qui cherche un job d'été, mais à la fin de l'été, elle décide de travailler à temps plein dans le parc. Elfie nous parle de l'envers du décor et de la façon dont elle a ouvert les yeux sur les conditions de vie en captivité. Puis nous avons le point de vue de Robbie, qui nous raconte l'histoire et la façon dont l'orque a été capturé. Le livre nous a fait ressentir différents sentiments, de la tristesse, de la joie, mais parfois agaçants. On a trouvé que certaines parties du livre étaient ennuyantes ou saoulantes, mais il nous a fait beaucoup réfléchir. On conseille de lire le livre plutôt aux ados et aux adultes car certains passages sont assez compliqués, mais on conseille aussi le livre aux personnes qui ne connaissent pas grand chose sur les animaux en captivité et aux personnes qui s'y intéressent. Merci de m'avoir écouté.